trois choses que tu ne sais probablement pas sur la multipla du duo Vilebrequin. Le célèbre duo de youtubeurs français, Vilebrequin, composé de Pierre Chabrier et Sylvain Levy, se retrouve au cœur d'une bataille médiatique pour la garde de leur création emblématique, le Multipla. Cette voiture, une Fiat Multipla modifiée pour atteindre les 292 km/h, était le symbole de leur chaîne YouTube, suivie par 2,5 millions d'abonnés Vilebrequin et la Fiat Multipla. Une longue histoire d'amour. Depuis le début de leur chaîne, il y a 7 ans, les deux youtubeurs ne cessent de l'utiliser en tant que running gag, se moquant de son design très atypique. Après avoir modifié encore et encore le modèle, ils ont enfin décidé de lui rendre hommage en lui attribuant un moteur de 1294 chevaux, digne des voitures de sport les plus rapides, de quoi donner un réel coup de boost à ce monospace, qui au départ a une puissance maximale de 120 chevaux 2. Elle a battu le record européen de financement. Pour financer cet énorme projet, ils se sont lancés sur KissKissBankBank, une plateforme web de financement participatif. L'objectif de départ était de 50 000 euros, mais ils ont littéralement fait crasher la plateforme en seulement 2 heures. 2 jours plus tard, ils ont dépassé la barre du million récolté à peu près 20 fois, l'objectif initial 3. La Fiat Vilebrequin est officiellement sur la page Wikipédia de la Fiat Multipla. Une réelle consécration pour ce modèle créé de toutes pièces par les deux youtubeurs. Cette année, elle devait figurer au musée Matra pour une exposition autour des voitures italiennes, mais malheureusement les tensions dans l'ancien duo ne lui permettront pas d'être exposée.